C'était quoi, ces choses? On dirait des sortes d'IA de défense avancée. Elles sont sûrement liées aux sentinelles. Difficile d'en dire plus sans un examen approfondi. Bon, allons voir où ce système de transit nous a conduit. Branchez-moi à la console. Où est l'Infinity? C'est le noyau de Requiem, oui. Mais l'Infinity n'est pas ici, apparemment. Le satellite au centre amplifie les transmissions du vaisseau, comme un relais. On pourrait s'en servir pour leur répondre. Oui, peut-être. Les faisceaux qui en sortent sont à l'origine des interférences ressenties. Nous devons les désactiver pour contacter l'Infinity. Vous nous y emmenez? J'ouvre un portail vers le pylône du premier faisceau. Bon, allons-y. C'est le premier pylône. Négatif. Impossible d'approcher plus près que ça. J'espère que ça vous dérange pas de marcher. Des ennemis! Et les revoilà. Ils descendent des murs. Pas les mêmes choses qu'à Terminus. Attention! Hé, hey, regardez-le! Il est mignon, non? Après un petit coup d'œil, ces constructs semblent conçus pour le mimétisme. Champ de phase identique à la limite de nos détecteurs. On va avoir de la visite. Intéressant chez nos nouveaux amis. Lorsque les gros drones explosent, le court flash que nous voyons est en fait une suppression de données. Vous pouvez les lire. Jusqu'à présent, d'après celles que j'ai pu extraire, les gros drones sont des chevaliers prométhéens. Le reste des données est intéressant. Les interférences augmentent. Nous approchons certainement du pylône. C'est quoi cette distorsion? C'est moi. Quelque chose fait qu'à force de franchir ces portails, la charge de mes systèmes augmente.
Vous allez tenir le coup? Pas de soucis. J'ai échappé à la frénésie jusqu'ici, non? Voici l'objectif, mais l'entrée semble protégée. Il faut trouver un moyen de la battre. Détruisez ce module d'alimentation du bouclier. Il y a deux autres modules à ce niveau. Détruisez-les avant de monter tout en haut. Travail, Major. Plus qu'un. Montez en haut du pylône. Major, regardez ça. C'est Requiem. Ils sont pas à l'intérieur, ils sont en orbite autour. Ils ont dû intercepter notre balise de détresse. Elle a été aspirée dans Requiem avec nous. S'ils essaient de la suivre... Ils seront pris dans le puits de gravité. Je vais essayer de les prévenir. Vous, désactivez ce vaisseau. C'est la commande du faisceau. Ça marche. Le signal du relais commence à devenir plus clair. Ici Fritzkorn. Nous avons détecté une balise UNSC venant de quelque part à l'intérieur de la planète. Ils sont pas encore au puits de gravité. Il y a encore trop d'interférences. Nous devons désactiver cet autre faisceau avant qu'il ne soit aspiré comme nous. Je comprends pourquoi l'Infinity n'a toujours pas croisé les Covenants. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils se dirigent aussi vers le deuxième pylône. Ça peut pas être une coïncidence. On dirait que les Prométhéens ne veulent pas non plus des Covenants ici. Le réseau de combat fait déjà état d'une résistance autour du pylône.
terminal du relais se brouille à nouveau. On arrive au pylône. Ils ont trouvé l'ouverture. On a intérêt à arriver au relais. Et vite. Détruit. Le bouclier est affaibli mais toujours actif. Détruisez les deux autres modules pour accéder au pylône. Deuxième module détruit. Bon travail, Major. Soit, mais plutôt mal. Helm, augmentez la vitesse de 0,7. Faites-nous entrer! Non, Infinity! N'entrez pas dans la planète! Si vous nous recevez, continuez d'émettre. Non, Major, vous devez détruire ce faisceau maintenant! Vous me recevez? À vous, Infinity! Il n'y a plus d'interférence, mais le transmetteur de votre combinaison est trop faible. Conduisez-nous au satellite relais. C'est déjà fait. Allez! Une fois sur le satellite, nous devons trouver le point de contrôle central. Le Covenant se dirige aussi vers le relais. Mais ça n'a aucun sens! Pourquoi il s'intéresserait à un relais de transmission? Je m'en occupe. Vous trouvez le point de contrôle. L'Infinity est à combien de temps du puits de gravité? Une ou deux minutes maximum. Les Covenants cherchent quelque chose. Ils vont vers l'autre bout du satellite.
Major, écoutez ça. Nous détectons une légère perturbation gravimétrique près de l'entrée de la planète. Changement de vecteur d'approche. 43K, 71K, 12K. Il continue vers l'ouverture. Vite, Major! On n'a pas le temps. Les colonnes! Touchez les colonnes! Infinity, ici Sierra 1 à 7 de l'UNSC Forward and to Dawn. Vous me recevez? Infinity. Infinity, vous me recevez? Major? Major, laissez tomber les contacts. Trouvez une sortie. Traînez pas à cause de moi, allez-y. Ainsi s'évanouit le résultat de ma trahison. Même ces animaux ont compris ce à quoi vous restiez sourd, humain. Votre noblesse vous a aveuglé une fois de plus. La bibliothécaire n'avait rien laissé au hasard, n'est-ce pas? Retourner mes propres gardiens. Mon propre monde contre moi. Mais quelle suffisance de penser que je ne pourrais rien contre ces protégés. Si vous n'avez pas réussi à vous rendre maître de ces êtres primitifs, l'homme ne mérite pas le manteau. Le fléau que vous représentez doit être endigué. Le temps était votre allié humain. Mais il n'est plus de votre côté. Les Forerunners sont revenus. Cette tombe est la vôtre désormais. Major, allez! On doit partir! Ce didacte, il a manipulé le signal de l'Infinity pour nous obliger à le libérer. Debout! Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir déplacé le satellite de l'espace-temps a déstabilisé le noyau. Le didacte s'en va! Nous devons trouver un portail et sortir d'ici avant que tout le réseau ne s'effondre. Attrapez l'un de ces gosses!
Accrochez-vous. Je vais dévier l'énergie de vos boucliers sur le propulseur de Proton. Suivez sa chute. Attention, l'impact est prévu à 77,8 km au nord. Au moins vous savez où il va. Au même endroit que nous.